that book away and go help. Oh, Mary Beth. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me? With the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Allez, salut à toutes et à tous, c'est Holobat, on reprend tout de suite, épisode 6. On est toujours sur RDR2, comme tout le monde dit, sur PS4. Et visiblement, on déménage. Et je pense que ça va me plaire, en plus le tout accompagné d'une musique des plus planantes. Okay, let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? I broke the goddamn wheel. All right. Évidemment, c'est à nous qu'on demande de réparer. Pas s'il faudra faire ça éventuellement dans... Je sais pas, au mode online par exemple, si on doit se balader avec une charrette ou quoi. Ou même plus tard dans le mode histoire. Shut up. I'm just saying. Say less. Pick the wheel up. Nearly there. There. See? You ain't so useless after all. Not quite. What do you think? C'est les Indiens. Ça y est, les voilà, les Apaches, les Indiens. Cool. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. Bien sûr, s'il y a moyen de rejoindre les Indiens, hein. je vous le redis, je quitte les cowboys et je vais chez eux. We'll follow the river, then cut left inland. So, yes. Oh putain, c'est vraiment magnifique. Ça y est, là on y est, là c'est la verdure. Il y a des sapins partout. They lost it all. Stolen clean away from them, it was every blade of grass. Killed or petite bestiole qui passe devant notre passage. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly?
Putain, on s'y croirait, quoi. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. All life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother, took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Aujourd'hui, j'aimerais particulièrement me pencher sur... Vous avez chaud, cela se remarque grâce à... J'ai pas eu le temps de lire, mais apparemment... Pour éviter d'avoir trop chaud, assurez-vous de porter des vêtements, machin. D'accord, en fait, il faut faire même attention à notre tenue par rapport à la température. C'est carrément dingue. J'espère juste que ce sera pas chiant à gérer. Parce que s'il faut commencer à faire attention à l'usure de ses semelles, ça va être chiant. Mais pour le moment, on peut saluer quand même le niveau de détail. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls. C'est vivant, hein. Putain, regarde, il y a des oiseaux partout. Driscoll's. Probably them too. Les lumières, les ombres, les foires. And this place we're going. Wait, what's it called? C'est propre. Hein. La distance d'affichage, c'est fou, quoi. J'ai pas vu de comparatif PS4, PS4 Pro, mais. Hein. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment à rougir. Hein. Donc apparemment Dutch aurait tué une femme ou une petite fille, je ne sais pas, j'ai pas compris. Il y a du dossier là qui était sorti, désolé j'ai pas pris le temps de lire vraiment, j'étais plus absorbé par le visuel. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. J'aimerais même pencher sur l'aspect bouffe et état des armes aussi aujourd'hui. Working on there anyway. Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Ok, Osea herboriste. Ça pourrait être intéressant. Vous avez obtenu des plantes. Vous pouvez les consommer pour remplir vos noyaux, les cuisiner ou les utiliser pour fabriquer des objets. D'accord. La nature regorge de plantes et de propriétés intéressantes. Ramassez-les pour les découvrir. D'accord. Ça, c'est cool s'il y a vraiment un aspect comme ça intéressant sur les plantes. Ça peut être sympa. Toutes les découvertes que vous avez faites sont réparties dans les encyclopédies. Oui, il y a une espèce de gros bestiaire et une encyclopédie des plantes. Bref, il y a de quoi faire. On devrait pas s'ennuyer a priori dans le jeu. Une petite vue cinéma, on va accélérer le pas en même temps. Ah ouais, je le sens bien moi. Je pense que là, ça y est, le jeu va nous lâcher. On va pouvoir faire un peu de visite, un peu de... Croiser pas mal de petites bébêtes là, sur la route. Wouah, putain non mais là... Écoutez-moi, enfin mettez un casque quoi.
C'est incroyable. L'immersion, c'est fou, quoi. Visiblement, on est arrivé. Home sweet home. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Petite tension entre les deux quand même, hein. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck. East of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, friends. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough. But we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is. Ou en gros, on est en train de nous faire un petit tuto en cinématique là, sur la vie du camp. Donner de l'argent et des objets de valeur au camp. Pour améliorer les munitions, la nourriture et d'autres. You two will be ready shortly. We put you over here. Ouais, c'est intéressant. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Vous pouvez dormir, vous raser. Ah, vous raser ou changer de vêtements dans votre tente. Super. Donc là, on est dans une certainement dans notre plus ou moins notre chambre, notre petit coin à nous, quoi. Chapitre 2, Horseshoe Overlook. Quelques semaines plus tard. Des paysans, de retour dans la boue. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Allez, moi j'ai envie de me raser là. Arthur? Jose? Bah, il est gentil, papy. Mangez, buvez, reposez-vous pour retrouver vos noyaux. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? Putain, on ressemble vraiment à un Texas Ranger, là.
Oui, nous y voilà. Encyclopédie mise à jour. Putain, c'est chouette. Moi, j'ai envie d'aller me balader dans la pampa, là, je sais pas vous. Et en vue de la première personne, le dépaysement est encore plus total. Ça, c'est chez nous. My dear boy, what's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks, nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. Ouais, mais ça a l'air trop beau pour être vrai. You always kept it. And I ain't losing it now. Necker. Écoutez, nous voilà enfin, on va enfin comprendre un peu ce que nous veut le jeu par rapport au campement. Je sais qu'il y a c'est une partie assez importante du gameplay, visiblement. On va visiter un petit peu notre nouveau chez nous. On va s'asseoir. Je vous dis, un gameplay à la cool, on va pas se presser. On est là vraiment pour kiffer le jeu tranquillement, à notre aise, en prenant notre temps. Alors ça c'est quoi? C'est les photos. Little Morgan, ce serait pas nous des fois? Titoutou. Et ça, on dirait que c'est Dutch au milieu. Osea, Dutch et machin, ouais, c'était marqué en bas à droite. Ok. Petite photo d'époque, ça c'est qui? Drôle de gueule. Béatrice Morgan, ce serait la mère de... Ce serait notre mère en fait. D'accord, très bizarre, on dirait plus un homme en fait avec cette tronche, mais enfin. Ok. Bon, alors j'imagine que c'est. Voilà, c'est là qu'on se rase. C'est parti, alors voyons voir un peu comment se passe le relooking. Alors, ouais, taillé, nécessaire de rasage. Pommade pour les cheveux, on n'en a pas, mais visiblement on pourra faire des coupes de cheveux. Tout. C'est quoi ça? D'accord, donc ok, donc ça c'est la longueur moustache. Ok, on peut gérer la longueur indépendamment, donc moustache, menton et favori indépendamment du reste en fait. Ça c'est sympa. Et pour l'instant on a 4 longueurs, je vois que ça peut aller jusqu'à 10. Est-ce que du coup il faudrait qu'on la laisse pousser très longtemps pour débloquer le reste des longueurs? Je ne sais pas. Alors si vous avez suivi le Let's Play Monster Hunter World, vous savez que pour faire des avatars, j'aime bien faire quelque chose qui me ressemble, une espèce d'extension de moi-même. En fait, c'est un peu ce que tout le monde aime faire, enfin ce que beaucoup de gens aiment faire. Merde, du coup je peux... Ah merde! Du coup là j'ai tout rasé, mais je peux plus revenir en arrière du coup. Ouais, ça c'est assez logique en même temps. Il faudra attendre un peu que ça repousse pour se refaire un book. Un book des familles. Mais écoutez, c'est bien, on est quand même bien comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi ça? Un morceau de journal. C'est le premier braquage de banque, d'accord. On verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? I wonder if I'll ever not smell of campfire again. I think it's in our skin now. Morning, Arthur. How you doing, Karen? Salut. Ouais, on peut leur répondre. Hein. Je rappelle qu'on maintient L2 et on a les options pour répondre au personnage directement au moment opportun. Donc là, je peux saluer l'autre. On peut même les provoquer, mais j'ai dit que j'étais le gentil cowboy. On va éviter ce genre de truc. I'm okay. Warm at least. Could do with getting out of here for a bit. I'm sure. Okay, I'll catch you later then. Yes. See you later. J'ai l'impression que c'est quand même un milieu assez macho, hein, sans surprise, hein. Des cowboys après tout, c'est vraiment l'ambiance patriarcale entre guillemets. Nothing we need to worry about. Okay, good. Well, I suppose I should be getting on. Sure. Petite musique. On a les chevaux.
Je sais qu'on peut aussi améliorer la selle de son cheval, etc. Je sais pas comment ça marche. Peut-être qu'on va le savoir maintenant. Parce qu'on a, vous voyez que sur le radar, on a vraiment tout, tout d'indiqué. Toutes les fonctionnalités. Par contre, cette musique me saoule. J'aimerais bien l'éteindre. Si je trouve la radio, j'essaierai. Ça, c'est quoi? Oh, une bière. Bon, allez, on a bien mérité de boire un petit coup. Voilà. Voyager, ça donne soif. D'ailleurs, je me suis renseigné. Cowboy, ça veut dire... donc, cow, c'est... attendez, ça, c'est la radio. Il n'y a pas moyen de l'éteindre? Je suis sûr qu'il y a moyen de l'éteindre. J'espère qu'il y a moyen de l'éteindre. Bon, tant pis, on la subira encore un petit peu. Ouais, c'est pas ce qu'elle veut, quoi. Ouais, donc je disais, je me suis renseigné sur ce que c'était un cow-boy. Alors, on a Dutch. How's the cigar? Not bad. But sometimes I prefer a pipe. I've been meaning to get one for ages. I left the old one in Blackwater, I know. Well, if I find one, you can have it. Well, you are a gentleman, Mr. Morgan. I raised you well. I don't take too much pride. Écoute, tant que tu me demandes pas de te la tailler, ça peut se faire, oui. Ouais, donc je disais, cowboy, c'est la comment dire, l'association de cow qui veut dire vache et boy donc garçon. Et si on traduit vraiment en français quoi, ça donne vacher en fait. C'était un garçon de ferme tout simplement à l'époque. Et non pas, ça voulait pas forcément dire que c'était un mercenaire ou quoi comme nous actuellement. Nous on a mal tourné quoi finalement. Puis c'est notre ami le boucher, Pearson, voilà. D'accord, donc c'est après lui qu'on va voir pour l'amélioration d'artisanat. Sacoche, quartier d'Arthur, sacoche, il y a quoi déjà? D'accord, on peut carrément changer l'aspect. Et ça améliore quoi? D'accord, apparemment il faudra faire pas mal de chasse pour récolter tous les ingrédients nécessaires. Offre. Je vois qu'on peut, on peut vraiment en fait aménager, améliorer le confort en fait du camp. Il y a pas grand chose qui m'intéresse dans les sacoches. Celle-là éventuellement. Celle-ci elle est chouette aussi. Je pense que je partirai sur celle-là. On verra plus tard. Parce qu'il y a quand même des canins un peu partout. Acheter des outils de travail du cuir, d'accord, faudra qu'on achète des outils. Mais on peut aussi décorer le camp, je sais pas si vraiment ça sert à quelque chose. Oh, des guitares! Enfin, un banjo et une guitare. Je voudrais bien savoir si on peut, si c'est possible d'en faire, s'il n'y a pas un mini-jeu lié à ça. Je vais peut-être un peu loin, ça se trouve, mais... Tapis de sol, ouais. Nocement. D'accord, ouais, ça c'est. Ça c'est complet quoi. Ah, et on peut lui laisser ça. Du coup, il nous achète. Comment ça se passe? Attendez. J'essaie de comprendre. Si je vends ça. Ah non, je le donne en fait ça. J'ai l'impression que je lui donne en fait, ce sera pour le camp finalement, pour qu'on ait des bons repas. Ouais c'est ça, hein, c'est donné, hein. Donc tout donné par exemple. Apparemment on peut pas vendre genre les bagues, la chevalière d'en argent que j'ai récupéré pendant la bataille contre les O'Driscoll. Morning, Mr. Morgan. Good day. Putting the world to rights there? Trying to, Mr. Morgan. D'accord. J'essaie d'épuiser un petit peu tous les dialogues avec les gens pour voir
S'il n'y aurait pas une info ou quelque chose. On s'y croirait. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas moyen de manger avec ça. Ah, mais il est encore avec nous, lui. Débat. Ok, alors si vous prenez un bol de ragoût, il vous faudra attendre plusieurs jours avant de pouvoir en reprendre, d'accord. Faut pas faire le goulafre, quoi, en fait. C'est faire attention à notre consommation. Pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et là, du coup, j'ai vu que mon cœur était devenu jaune. S'il fait lui. Bon, de resto, je t'en prie. Bon, enfin bref, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je vois une croix, ça serait pas une espèce de médecin, je ne sais quoi. D'accord, bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce que ça fait déjà plus de 20 minutes. Ah, la fameuse... ça, c'est la caisse où il faut donner des trucs pour le camp. Donc, voilà, ça, c'est un espèce de... voilà. Donc, je donne un petit peu de trois choses. J'ai quand même gardé deux modèles de chacun des artefacts que j'ai pour moi. Parce que je vais pas tout donner au camp, faut pas non plus déconner. On peut contribuer, on contribuera et on fera notre part, mais... Il est quand même normal qu'on garde une part pour nous. Voilà, on a contribué, on a fait du don. On pourra pas nous le reprocher. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout. Une espèce de d'ustensile. Ah, les guitares, est-ce qu'il y a moyen de... éventuellement... Visiblement non. On est chaud bouillant. Bah écoutez, on va s'arrêter là, voilà, parfait. On va s'asseoir au feu de camp comme ça pour finir l'épisode. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode prochain où on se concentrera enfin sur le monde ouvert. Voilà, on va se concentrer sur le monde ouvert, la vie au camp, voilà tout ça, et on fera le mode histoire à l'épisode d'après. Merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine. Bonne nuit si vous allez vous coucher, bon courage si vous allez travailler, et tout le tatouin.